coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi. Communiqué de presse. Mesdames et messieurs de la presse, le 21e jour du mois de février, l'an 2017, la coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi, CAT en sigle, s'est réunie à Africa Dream Hotel sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe pour désigner un candidat au poste de président du Conseil des sages du Rassemblement. Il vous souviendra que le Conseil des sages du Rassemblement avait initié et invité les différentes plateformes à présenter les candidats au poste de président devenus vacants suite au décès du président Étienne Tshisekedi, notre autorité morale. Et après échange et débat, Monsieur Jean-Pierre Lissanga Bonganga, votre serviteur, coordonnateur de la CAT, avait été désigné à l'unanimité candidat à ce poste. Mesdames et messieurs de la presse, au nom de notre parti, la Convention chrétienne pour la démocratie CCD en sigle, et de notre plateforme, le Front populaire contre la révision constitutionnelle, nous tenons à dire merci à nos collègues pour cette marque de confiance et nous leur promettons de ne pas trahir la ligne politique du président Étienne Tshisekedi, notre autorité morale. Mesdames et messieurs de la presse, en dehors de l'UDPS, nous revendiquons la légitimité de la présidence du CENSA et du Conseil des sages et du Rassemblement en raison de l'antériorité de notre combat et de notre lutte aux côtés du président Étienne Tshisekedi. Nous tenons à rafraîchir les mémoires de tous ceux qui, aujourd'hui, semblent frappés d'amnésie collective par rapport au combat que nous avons mené pour la promotion et la réalisation du dialogue selon l'entendement de notre leader Maximo, le docteur Étienne Tshisekedi, notre autorité morale. Sans préjudice de notre volonté commune de préserver l'unité et la cohésion au sein du Rassemblement, il nous apparaît opportun d'en appeler à l'humilité de ceux qui, hier, étaient à l'avant-garde du combat contre le dialogue tel que prôné par le président Étienne Tshisekedi. Aussi, de plus normal pour les alliés du président Étienne Tshisekedi, de concert avec le peuple congolais, l'IDPS, le parti phare du Rassemblement et la diaspora se souviendra toujours de nos différents meetings, toujours de nos communiqués et points de presse en faveur du dialogue prôné par le président Étienne Tshisekedi, notre autorité morale. Pour la coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi, quatre en sigle, en tout état de cause, le poste du président du CENSA, hormis l'IDPS, revient de droit, de manière symbolique et emblématique à nous, les Tshisekedistes. Mesdames et messieurs de la presse, nous ne saurons terminer notre mot sans dire merci à la CENCO pour avoir coupé court au débat sur la lettre de notre autorité morale, le docteur Étienne Tshisekedi, désignant
l'honorable Félix Tshisekedi comme premier ministre du Rassemblement et du peuple congolais, et ceci après avoir dégagé les consensus de toutes les plateformes. Mesdames et messieurs de la presse, pour nous, la coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi, 4 en sigle, nous pouvons dire avec toute responsabilité que l'accord du 31 décembre 2016, surnommé accord de la Saint-Sylvestre, c'est l'accord Tshisekedi. Nous avons dit et nous vous remercions.